Tourne. C'est parti. Ok. Donc Françoise, on se connaît pas du tout. Ça fait Bonjour deux Annick. minutes qu'on se parle, finalement, à peine. Tu es venue au rassemblement, tu me disais que tu étais hypnothérapeute Ouais, c'est ça. et que tu aurais bien aimé vivre une expérience d'hypnose parce que tu étais résistante. Oui, j'ai du mal à partir, à lâcher prise en fait. Et je me dis, j'aimerais bien être à la place des clients, quoi, en fait, tu vois, aussi de vivre ça, de me couper de la réalité, lâcher le mental plus facilement. Qu'est-ce qui fait, hein, qu'est-ce que tu appelles résistance? De Qu'est-ce pas que me c'est lâcher laisser, le mental? de plus contrôler en fait. D'accord, un Voilà. exemple? Ouais, un exemple, ben là justement, de pouvoir partir assez facilement d'hypnose sans. Ne serait-ce déjà que dit de l'hypnose, hein? Ouais, rien que ça déjà. D'accord. Ok. Bah, tu vas prendre une grande inspiration. Tu vas te détendre totalement. Voilà. Alors, je vais prendre ton bras si ça te va. L'autre, du coup, à certains moments, je toucherai ton épaule, ton front. Tu vas me regarder, tu peux rouvrir les paupières. Attends-moi avant de partir. On sait, maintenant, on sait tous les deux. Je pense que tu vas partir vite. C'est le paradoxe. Toi, Françoise, qui était dans la résistance, il y a encore 5 minutes. Maintenant, ce qui est beau dans l'hypnose, c'est que dans quelques secondes, tes paupières vont se fermer. On descend de plus en plus et de plus en plus profondément. À partir de maintenant, tu écoutes seulement ma voix. Chaque instant t'emmène 10 fois plus profondément dans cet état. 5, 3, 2, 1, maintenant, 10 fois plus profondément. Et ce qui est marrant, c'est qu'à partir de maintenant, le subconscient prend totalement possession de la tête et la tête penche en avant. Totalement, hermétiquement. Et tout se fait naturellement. Voilà. Automatiquement. Pourtant, t'es là. Et chaque battement du cœur, chaque inspiration continue d'approfondir cet état. Et la tête penche de plus en plus en avant. Et tout se fait naturellement. Voilà. Tu commences à te rendre compte que c'est super agréable et tu t'autorises même à partir. Voilà.
Et de plus en plus vite la tête penche en avant. Totalement. Et 10 fois plus profondément à l'intérieur. Je vais faire un décompte qui va approfondir cet état. 7, 6, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 2, 1, maintenant. Et on y va, de plus en plus, comme un bébé qui s'endort. On est là, et chaque bruit, chaque instant approfondit cet état, 10 fois plus profondément. Et tu commences à te rendre compte que c'est super agréable, et qu'on peut vivre des trucs super sympas, naturellement, juste en s'autorisant et en y allant. On descend encore plus loin. Et 10 fois plus profondément à l'intérieur de toi. Et 10 fois plus profondément. Et à partir de maintenant, chaque instant approfondit cet état. Peut-être que tu m'entends de très loin. C'est très agréable. Tu peux te rendre compte que les paupières sont hermétiquement fermées, que même si tu essayes de les ouvrir, ça ne fonctionne pas. Et plus tu réessayes, plus ils se referment. Voilà. Et maintenant, la main droite est complètement collée. Et plus tu vas essayer de la déplacer, moins elle se décolle. Voilà, c'est lourd, très lourd. Et chaque mouvement approfondit encore plus cet état. Chaque déplacement t'emmène 10 fois plus profondément. Et maintenant, 100 fois plus profondément. Très, 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 très loin. Ok. Et maintenant, on se rend compte que les deux mains sont totalement et hermétiquement collés à leur place, ils sont bien. Les paupières sont hermétiquement collées. Je sais que tu essayes de les décoller, mais ça ne fonctionne pas. Ils se recollent encore plus. Ça te fait rire de l'intérieur, cette situation. Et ce qui est beau, c'est que tu t'autorises à aller encore plus profondément. Maintenant. Voilà. Toi, Françoise, en plein Montpellier, c'est le jour où tu t'es dit qu'il était temps de te laisser aller, d'explorer cet état d'hypnose très profond. Voilà. Très, très, très loin. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on va te laisser vivre quelques instants, ce bon moment à l'intérieur de toi. Peut-être que tu vas voyager, peut-être que tu vas recevoir des messages, voir des images. La bonne nouvelle, c'est que la prochaine fois que tu voudras faire de l'hypnose et que tu t'autoriseras à y aller, et que tu sauras que tu es bien avec la personne, tu pourras aller 10 fois plus profondément qu'actuellement. À partir d'aujourd'hui, tu sais que toi, tu as le droit d'aller en hypnose et que tu peux le faire parce que tu t'en rends compte. Et maintenant, quand le subconscient décidera que tu peux revenir, tu reviendras. Mais uniquement quand il l'aura décidé. S'il pense que tu dois encore vivre quelque chose, il en profite pour te les faire vivre. Et dans quelques instants, quand ça sera bon, les paupières se rouvriront. Tu récupéreras la motricité, tes mains, tes bras. Et puis, tu nous diras le témoignage. Peut-être que tu as encore envie de vivre quelque chose pendant quelques secondes, quelques minutes. Donc là, on peut se rendre compte que le subconscient a décidé de t'emmener encore plus loin, plus profondément. Peut-être qu'une partie de toi avait envie de revenir, mais pour l'instant, il a décidé autrement. Il se dit, tiens, Françoise, on va la faire voyager aujourd'hui encore plus loin. On est en plein Montpellier. Françoise qui nous disait
la résistance, le mental. Et ben voilà, Françoise a le voyage. Mais quand le subconscient sera d'accord, il va quand même ramener Françoise. Il ne va pas nous laisser Françoise pendant une heure en plein Montpellier comme ça. Mais elle pourra revivre cet état pendant la nuit, ou peut-être même en auto-hypnose. Voilà. Tranquillement, on revient. On reprend ses esprits. Comment te sens-tu, Françoise? Bien. S'en passe des choses, hein? Ouais. Hein? Surprenant tout ça. J'ai mis du temps, mais je sentais qu'au bout d'un moment, ouais, j'ai besoin de temps, tu vois, pour que les choses s'installent. Mais je me disais, oui, mais je vais peut-être pas descendre. Mais si, en fait, tout doucement, j'allais. On y va à ton rythme, voilà, en c'est douceur. Ça. Ouais. Même si j'aime pas trop, c'est un peu péjoratif, avec bienveillance. Et puis on y va. On s'autorise. Chacun son rythme, en fait, c'est ça. Moi, j'ai besoin de temps. Et en soi, c'est thérapie. Ouais. Oh, super. Qu'est-ce que tu retiens? Bah, merci à toi. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Bah, écoute, ça valide tes résistances. Enfin, je reprends tes termes. Ouais, non, mais ça veut dire que c'est possible, mais d'une certaine manière, en fait. J'ai besoin que ça soit en douceur. Ouais. Tu vois, tout ce qui est rapide, j'adhère pas parce que peut-être qu'il y a une crainte de je sais pas vers quoi ça va m'amener au niveau corporel, dans des positions pas confortables, alors que là, moi. Donc là, il y a la douceur de la voix, il y a quelque chose de très doux et je crois que ça me convient.